mon entrée dans la vie active a été assez simple. Moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc forcément succession familiale. Et on a quand même un bonheur dans le monde agricole, c'est l'accompagnement qui n'existe pas dans tous les métiers. L'accompagnement qui est fait donc, par le ministère à travers le biais des chambres consulaires, donc notamment la chambre d'agriculture, qui accompagne les jeunes porteurs de projets du jour de la naissance au projet jusqu'à leur installation et bien au-delà, puisqu'on a un suivi pendant 5 ans. Donc on est vraiment accompagné au quotidien dans les missions plus compliquées, moins complexes, mais voilà, donc un encadrement qui nous permet de ne pas se retrouver tout seul. Alors, au niveau de la transformation du métier, donc au niveau du monde agricole, c'est vrai qu'on a une évolution depuis ces dernières années assez intéressante, notamment sur l'aspect technologique. Le quotidien évolue, donc c'est vrai que pour nos aînés, ça devient un petit peu compliqué. On va dire que pour la jeunesse, c'est voilà, la simplicité du smartphone qui nous accompagne, de la technologie par GPS, les drones, etc. Donc on a quand même une évolution du métier qui n'a pas forcément été très simple, qui ne sera pas simple demain, puisqu'on doit répondre aussi à d'autres défis, des enjeux environnementaux, enjeux, on va dire, sociétaux également. Tout ça avec une approche économique qui n'est pas simple. Cette représentation et ce vécu, donc depuis de tout petit, je baigne dans le monde agricole. Donc forcément, ça n'a pas été une grande évolution, une grande marche à monter entre les deux. C'est un quotidien qui était vécu et qui s'est transmis avec l'exploitation familiale. Donc c'est un vrai plaisir aussi de travailler avec la nature, le vivant, être son propre chef d'entreprise et pouvoir décider de ce qu'on fera de la journée ou demain.